Salutations spéciales pour tout super branché qui a écouté nous dans tout le monde. Là. Bienvenue dans un nouveau numéro Vladi News pour mardi 30 mars 2021. Mais quelques points nous allons développer pour vous. Plusieurs dizaines de Dominicains ont manifesté devant siège au Nil lundi 29 mars 2021 pour demander Jovenel Laguepiel. Côté manifestant, yo te tout mandé ONI pour yo suspendre tolérer Jovenel dans dérive li yo dans tête pays d'Haïti parce que depuis 7 février 2021, mandat fini. Première dame nan la République Dominicaine, Raquel Arbaje, célébré journée mardi 30 mars la cérémonie message 7 paroles dans Palais National. Côté li t'a prêché l'amour, li te tout profité rappeler tout chrétien qui soti dans différentes dénominations yo pour yo continuer cultiver l'amour sans hypocrisie pendant période semaine sainte là. Environ 910,869 monde déjà recevoir première dose vaccin à 55,000 déjà recevoir deuxième dose vaccin dans la République Dominicaine. Président Emmanuel Macron t'a rencontré ensemble avec Jean Castex nan yon manière pour yo wè comment yo capable freiner coronavirus lan kap vali terrain nan pays la France. Bagay yo mangonmè nan pays Brésil, coronavirus lan continue à bay problème nan pays Brésil. Dans le pays l'Allemagne, bagayo compliqué également, et bien pays a décidé renforcer contrôle frontière terrestre, yon manière pour yo capable lutter contre coronavirus là. C'est pour ça yo a quelques autres nous pral développer pour vous dans nouveau numéro Vladi News. Restez connecté, n'ap toune nan yon ti moment. Nous tournons pour nous développer Titio pour vous. Eh bien, avant même nous rentrer dans le développement Titio, qui te nous dit ou même qui peut vous abonner avec la chaîne YouTube Vladimir Michel, là, n'a pas fait ça kounia pour capable continuer à recevoir Vladi News. N'a pas commencé avec la République Dominicaine. Ministère Travaux Publics et Communication présenté journée mardi 30 mars 2021 un rapport sur assistance routière yo poté by citoyen yo depuis l'année 2012 jusqu'à journée jeudi. Côté yo révélé problème mécanique c'est yo qui pi fréquent ces problèmes ça yo rencontré plus pendant 9 dernières années yo. Pendant 9 dernières années yo problème ça yo posé pour pipiti 1,077,379 occasions qui représentait 44,30% montant total service ministère pendant période ça ça qui bail à un montant qui évalué à plus passé 2,4 millions pour question accident sur route yo ministère travaux publics li aidé 46,763 froid ça qui égal à 1,92% utilisation ambulance pendant 15,825 fois yon pourcentage à 0,65 tandis que utilisation camion sauvetage 73 fois. Pour la période PAC, le ministère a disposé environ 408 machines au total, cap divisé en 243 camions pour patrouille, 36 ambulances, 39 machines techniques, 5 unités d'extraction, 18 ateliers mobiles et 67 motos. Yon manye pou tout bagay ka a bien passé pendant période semaine sainte là.
N'a prêté en République dominicaine, Raquel Albahé, première dame République dominicaine, n'a li fait connaître que, eh bien, pas là, c'est moment l'amour sans hypocrisie pendant l'état à célébrer dans le palais national. Je n'ai pas dit 30 mars là, yon belle activité dans l'occasion Semaine Sainte là. Première dame République là, li fait connaître que la vie de Jésus, c'est yon message l'amour pour moun ki aime, moun ki abandonné yo à tout péché yo. Eh ben mot spécial ça, alors moment spécial ça c'était occasion pour première dame nan avec un pilote collaborateur et fonctionnaire dans gouvernement qui célébrer ces mots cette parole nan palais. Présidente là lui-même, alors première dame nan lui-même li mandé chrétien yo pour yo ait continuer à rester ferme, pour yo ait continuer faire différence, pour yo continuer cultiver l'amour la caillou malgré yo sorti dans différentes dénominations. Pour yo rete avec yon l'esprit de célébration, yon l'esprit qui pas faibli selon ça, eh bien première dame nan lui-même li te fait connait li di yo rete ak yon l'esprit oui pour célébrer la mort à résurrection Jésus parce que péché nous yo lavé par son Jésus. C'était message ça première dame nan Raquel Albahé lui-même li te fait passer pendant soirée mardi 30 mars là dans occasion Semaine Sainte là. En République Dominicaine, selon yon enquête organisation World Vision menée, li fait connait 63.5% parents estiment que timoun yo pas apprendre vraiment nan kozé enseignement à distance et virtuel là. Organisation aide humanitaire World Vision révélé selon enquête li mené gagne 63.5% parents qui fait konnen timoun yo pas apprendre vraiment nan kisyon l'école à distance là. Eh ben selon explication yo c'est manque appareil, problème internet nan kayo, problème accompagnement timoun yo pa jwenn nan kayo, ça qui la cause. Eh bien bagay lan li même li dégénéré, timoun yo pa vraiment apprendre d'après enquête si la. Qui donc te gagne environ 537 parents femmes ou garçons qui t'ai participé dans enquête ça dans fin mois février 2021. N'a rappelé que République dominicaine à partir de 6 avril gain plusieurs municipalités cap ouvri l'école côté que timoun yo capable reprendre chemin l'école yo dans classe les sa yo pas prêté derrière téléphone yo bien ordinateur yo pour y suivre kou encore. En République dominicaine, toujours dossier coronavirus, environ 55 000 Dominicains déjà recevoir deuxième dose vaccin et 910 869 déjà recevoir premier dose vaccin. Ministère Santé publique indiqué gagné 54 395 monde qui déjà prend deuxième dose vaccin. Pendant y a rappelé nous pour continuer faire en pile prudence. Pour moment Semaine Sainte là ministère a fait connait que gagné quelques centres qui pas fonctionner mais pour monde qui te gain temps gain réservation pour deuxième dose là. Eh bien, moun si la yo, ki te gen réservation entre 29 mars pour arriver 4 avril, eh bien, yap genyen pou yo. Alors, c'était nan centre sa yo nan Nako Sport Club, Los Prados Club, ak nan Institut de Technologie de Santo Domingo. Eh bien, moun sa yo yap genyen pou yo ran yo nan Plaza Lama, La Chouchil, ak nan Centre Olympique Juan Pablo Duarte pour yo même aller prendre deuxième dose vaccin yo. Lundi 29 mars 2021, plusieurs dizaines dominicains t'ai réuni devant siège ONU pour demander départ Jovenel Moïse qui yo même tap dit Jovenel pour laguer pied parce que monsieur accroché à pouvoir en Haïti côté que mandat li fini depuis 7 février d'après ça dominicain yo même yo tap dit.
Ah ben, représentant plusieurs organisations politiques, t'es organisé une manifestation lundi 29 mars 2021 devant ONU dans République, devant siège ONU dans République Dominicaine. Vous tapez des journaux pour la guépille. C'est pas seulement en Haïti, vous tapez des journaux pour l'aller parce que depuis 7 février, d'après la Constitution, le mandat fini, bien c'est partout, même ici dans la République Dominicaine, nous n'y a pas. Mande Jovenel pou le bay talon. Manifestant yo te genye drapeau haïtien, banderole ak drapeau dominicain, yon façon pou yo te soutenir haïtien yo kap klerone départ Jovenel Moïse nan tête pays d'Haïti. Nan affiche ak banderole yo avec sa ki tap di, nou te capable constater nou mande pou Jovenel lage pil. N'ap soutenir pep haïtien. République Dominicaine solide ak pep haïtien. Yo te tout mandé ONU pour suspendre toléré Jovenel k'ap violé maman loi pays qui c'est constitution. Ah ben pour yo quitter peuple haïtien prend destin li en main. C'est ça, c'est message ça. Yo même yo tap clé on est devant l'ONU dans République Dominicaine. N'ap quitté République Dominicaine. Nous parler maintenant en Allemagne à côté que coronavirus lui-même li continue à valer terrain. Eh bien coronavirus là li vraiment à valer terrain dans pays l'Allemagne. Eh bien pays l'Allemagne yo pral renforcer contrôle frontière terrestre yon façon pour lutter contre propagation coronavirus là. Dans même moment tout pays en fait connaît que eh ben utilisation vaccin AstraZeneca et contre coronavirus là li fait yon suspend dans pays l'Allemagne pour moun ki genye pour pipiti 60 l'année yo. Ça veut dire moun ki gen pipiti 60 l'année yo pa capable prend vaccin ça dans pays l'Allemagne. Dans question coronavirus toujours pays la France lui-même la connaît des moments difficiles et ben nombre de cas coronavirus dans l'école yo augmenté de 40% dans une semaine seulement. Ben président Emmanuel Macron l'était réuni ensemble avec Jean Castex dans début soirée mardi 30 mars 2021 pour yo être capable analyser question coronavirus lui-même question sanitaire dans pays ça les nous connaît coronavirus lui-même li vraiment a bail problème dans pays l'Italie yon quarantaine de 5 jours pral imposer par tout voyageur tout monde kap sorti dans Union européenne yon façon pour yo capable freiner propagation coronavirus là dans toute Italie. Donc nous connaît corona li pas nan jouet n'a continuer dit chaque grand ami capitaine de nous là continuer respecter principio faire en pile prudence parce que après corona on vit faut nous vivre li quand même ou même qui t'attend de nous c'est là nous camper nous casser rendez-vous avec vous pour un autre numéro Vladi News n'a mande continuer partager continuer inviter les amis connecter continuez inviter les amis abonnés avec channel YouTube Vladimir Michel là et pas oublier radio télé motivation spirituelle sur Facebook li gagné website www.radiomotivationspirituelle.ga restez connecté ensemble avec nous pour capable suivre toute dernière actualité yo pas oublier Vladi News c'est toute information sous l'échelle internationale et nous même nous chita connu en République Dominicaine n'a bon tout ça qui a passé nous ces yeux nous ces oreilles ou non seulement en République Dominicaine mais dans tout le monde là restez ferme n'a croisé pour un autre Vladi News bye bye tout le monde. Bonne nouvelle pour tous les compatriotes qui vivent dans la République Dominicaine. N'importe où vous êtes dans la République Dominicaine, contactez Radio Télé Motivation Spirituelle pour passer annonce, faire publicité à tout l'autre message capitile communauté haïtienne dans tout territoire dominicain. Pasteur, artiste, salmiste, responsable organisation, entrepreneur, businessman, acteur.
toute l'autre leader qui dans la République là, Radio Télémotivation Spirituelle disponible pour nous. Contactez-nous pour tout service ou besoin. Plus 1 829 569 31 97 ou bien visitez-nous sur www.radiomotivationspirituelle.ga. Radio Télémotivation Spirituelle sous tout réseau yo. Tapez Kounia sur Google Radio Motivation Spirituelle ou après toute l'autre plateforme pour capable brancher nous. Radio Télémotivation Spirituelle, la station qui va plus loin.